chevaux sont partis. Départ du prix de la société de Gemozac. Avec Moma qui a pris un excellent départ. Isita également est bien parti. Et Crocantine également qui vient à la corde en deuxième position. Pour passer devant les tribunes, Isitag a pris l'avantage devant Crocantine. Moma vient ensuite devant Passage du Caire et Cross in Hand. Alors qu'à l'arrière-garde, c'est Da Vinci Shop qui ferme la marche. On va rentrer dans le tournant d'Angoulême et Isitag a l'avantage d'une à deux longueurs. Sur Crocantine en deuxième position, Moma qui vient à trois longueurs derrière et qui emmène le peloton devant Passage du Caire, alors que Diafour vient ensuite avec Cross in Hand et Lila Blue. Toujours fermant la marche Da Vinci Shop. Et maintenant dans la ligne opposée, avec Isitag qui a toujours l'avantage d'une longueur dans son dos via Crocantine qui semble tirer beaucoup. Le peloton est emmené un peu plus loin par Moma, alors que Lila Blue se rapproche vivement tout à l'extérieur. Cross in Hand également est là. Et venant à la corde, Passage du Caire. On va bientôt rentrer dans le dernier tournant avec Isita qui a toujours l'avantage. Crocantine en deuxième position. Lila Blue vient tout à l'extérieur. Moma est à la corde. On rentre dans le dernier tournant maintenant. Isitag accélère quelque peu l'allure avec Crocantine toujours dans son sillage. En troisième position, Moma cherche un peu le passage. Lila Blue est toujours à l'extérieur avec Passage du Caire et Cross in Hand. À l'arrière-garde, Da Vinci Shop a du mal à suivre. On va bientôt rentrer dans la dernière ligne droite et Isitag a toujours l'avantage. Crocantine qui vient de l'attaquer à l'extérieur. Moma qui l'attaque à la corde. Avec Passage du Caire qui vient également tout à l'extérieur et Cross in Hand également qui vient finir fort à l'extérieur avec Diafour. À 200 mètres de la ligne maintenant, Isitag attaqué à l'extérieur par Passage du Caire. Isitag, Passage du Caire tout à l'extérieur. Cross in Hand qui vient finir fort. C'est Passage du Caire qui va l'emporter. Il y aura photographie pour la deuxième place entre Cross in Hand qui vient bien finir et Isitag.